Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Escuellerie Pays Basque. En fin de journal, des collégiens vont découvrir les coulisses du cirque de Noël. Le centre pédagogique bascophone ICACH fête ses 60 ans avec toujours des publications de manuels en histoire, maths ou géo. Et pour commencer, la ministre du Travail Muriel Pénicaud était aujourd'hui à Bayonne pour vanter les mérites de l'apprentissage. Qu'est-ce qui vous a décidé à vouloir devenir coiffeur ? À la base, c'était le côté artistique. L'apprentissage n'est plus le parent pauvre de l'éducation. C'est le message qu'est venu affirmer Muriel Pénicaud aujourd'hui à Bayonne. La ministre du Travail est allée à la rencontre des jeunes apprentis du CFA, formés dans des métiers aussi divers que la coiffure, les métiers de bouche ou encore la mécanique, comme c'est le cas pour Oyan, 17 ans. Il apporte déjà une rémunération pour nous, parce qu'en tant qu'apprenti, on a un travail à côté. En général, c'est deux semaines, une semaine. Deux semaines en entreprise et une semaine au lycée. Objectif de la visite, évaluer la réforme de l'apprentissage mise en place il y a un an. Selon Muriel Pénicaud, la simplification des règles a porté ses fruits. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au premier semestre, il y a eu 458 000 apprentis en France. On n'en a jamais eu autant dans notre pays. Et je pense qu'on ira beaucoup plus loin, parce qu'il y a encore énormément d'attentes des jeunes et d'attentes des entreprises. Et puis, il y a le cœur, il y a l'humain. Et quand je visite un centre de formation d'apprentis, ça vient d'arriver encore. Et je vois ces jeunes passionnés qui ont un sourire, qui ne quittent pas leur visage. Ça fait 25 ans que le réseau des chambres de métiers dit que l'apprentissage n'est pas valorisé. Aujourd'hui, il y a une vraie réforme qui valorise l'apprentissage, qui valorise l'alternance, qui valorise les métiers. Donc nous, on attendait cette réforme de pied ferme. Au CFA de Bayonne, plus de 500 jeunes sont actuellement formés en alternance.